Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du journal de l'été pour découvrir notre région des Hauts-de-France. Cette semaine, nous sommes dans la vallée de l'Ailette, dans l'Aisne et dans le Lannoy. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le chemin des Dames. On va en parler dans un instant avec notre invité. Mais pour mieux se rendre compte de ce qui s'est vraiment passé il y a 100 ans ici, il y a un lieu à découvrir à tout prix, c'est la caverne du Dragon. On y est ce soir. Regardez ce reportage sous terre de Cathy Collin et de Nicolas Corcel. 15 mètres sous terre, 12 degrés, en été comme en hiver. Durant les 4 ans de guerre, cette creute, cette carrière, appartient alternativement aux Allemands, aux Français, lieu de vie, avant d'être un lieu de combat. C'est donc véritablement ici des soldats allemands qui vont aménager cet endroit avec une constante. Cet endroit pour eux doit être imprenable. Doctrine défensive pendant toute la guerre dans l'armée allemande, cet endroit doit être optimisé pour la défense. Téléphone, électricité, dortoir, ici 300 hommes en moyenne vont vivre en dessous de la ligne de front, à l'abri des éclats d'obus, mais pas de la guerre. On va avoir des petites améliorations, mais qui sont contrebalancées par des craintes différentes. Vous avez peur du plafond qui tombe, vous avez peur que toute la lumière s'éteigne d'un coup, c'est différent. De ne pas pouvoir sortir. Pas pouvoir sortir, c'est un risque aussi. Ici, des hommes peuvent rester des semaines ou quelques jours, ils ne savent pas. Oh, 55e BCP, ils sont restés là pendant tout l'hiver 17-18. Juste là, les gars. Ici, on vit, on est soigné, on meurt, on attaque aussi. En surface, la constellation de la douleur rend hommage aux tirailleurs sénégalais. Les Français vont être pris à revers lors de l'offensive du chemin des Dames en avril 1917. Et là, ils vont buter sur la troisième ligne de tranchée allemande, bien défendue. Ils essaient de faire demi-tour, seulement entre-temps, le bombardement ayant cessé, les Allemands sont déjà remontés dans leur dos. C'est une grande émotion, pensant aux grands-parents qui ont vécu cette guerre. Et c'était quelque chose d'encore plus terrible qu'on a pu, ou qu'ils ont pu raconter, parce que souvent ils n'en parlaient pas tellement c'était dur. Faire toute la lumière sur notre histoire, c'est aujourd'hui la mission de ce lieu stratégique qu'est la caverne du Dragon. C'est le journal de l'été. Nous sommes en direct de la caverne du Dragon sur ce chemin des Dames qu'on va découvrir aujourd'hui avec Yves Follen, notre guide de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors ici, on voit la plaine, ici, elle est la vallée est complètement calme, paisible, ouais. Mais ce n'était pas du tout ça non, il y a 100 ans. Non, il y a 100 ans, c'est la Première Guerre mondiale, les bombardements. 40 000 obus en 5 jours tombés ici. Voilà, c'est des choses que nous, on essaye de transmettre, cette histoire du chemin des Dames qui a été oubliée pendant... trop longtemps. Alors ce chemin des Dames, c'est la Première Guerre, évidemment, on va y revenir, mais ça démarre il y a bien plus longtemps. On peut déjà ici nous parler de Jules César jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est une barrière qui est géographique très haute, juste avant la vallée qui emmène vers Paris. Donc tout, voilà, c'est un lieu stratégique, forcément c'est un lieu de combat dans l'histoire. Avec beaucoup de choses à découvrir, évidemment, autour. Hein. On pense, on voit les images, là, le plateau de Californie. Oui, qui est superbe. Il y a donc l'emplacement de l'ancien village de Crane, Cerny-en-Lannoy et le mémorial avec les cimetières allemands, français, britanniques également. Berry-au-Bac, où l'armée française a utilisé des chars d'assaut pour la première fois, un 16 avril en 17. On a le fort de la Malmaison aussi, que nous on fait visiter régulièrement. Il y a beaucoup. Alors pourquoi ce chemin des Dames, il est resté dans la mémoire? Il est resté dans la mémoire car ça a été l'espoir d'une grande offensive qui devait nous faire gagner la guerre en 1917, espoir déçu. Ça entraîne quelque part aussi ces phénomènes de mutinerie donc, qui sont restés gravés dans notre histoire, ouais, notamment. Votre pièce, votre lieu préféré ici, c'est... Ah, c'est difficile, je crois que c'est juste dans le champ, juste au-dessus là. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus haut, ça s'appelait le monument, c'est un des endroits les pires. Ouais, ils se sont battus. Pour ce monument-là, l'emplacement d'un ancien monument qui commémorait une victoire de Napoléon Ier. Alors un secteur à découvrir évidemment, assez méconnu mais que je vous invite à découvrir. Notre région Hauts-de-France, elle, c'est une région aussi de savoir-faire et de tradition. Connaissez-vous par exemple la faïence de Creil ou encore la faïence de Dèvres dans le Pas-de-Calais qu'on peut découvrir et visiter? Loïc Benesch et Guy Ayard. Dèvres, une ville, une marque associée depuis plusieurs siècles à la faïence. La plupart des usines ont quitté la ville, mais la céramique se rappelle à tous les coins de rue. Son musée en reprend les codes jusque dans son architecture. Toutes ces vitrines ici, il s'agit du décor rouen, un des décors que l'on a reproduit le plus ici à Dèvres. À l'intérieur, on découvre la qualité de reproduction faite main de pièces et de décors des plus célèbres faïenceries. Nous avons en fait imité les décors qui se faisaient dans les autres centres faïenciers. Visite guidée avec une volonté d'aller plus loin que les pièces de collection en mettant en valeur l'humain. Ici, on montre aussi, hein, donc voyez, l'émaillage jusqu'aux ateliers de décoration.
Pour cette guide, si le musée existe aujourd'hui, c'est d'abord grâce aux anciens. Quand les usines ont fermé, les personnes qui ont été licenciées des usines, elles ont recréé leur propre atelier, justement pour perpétuer ce savoir-faire et ne pas laisser se perdre, si vous voulez, ce trésor en fait. Un savoir-faire toujours d'actualité, tous les mardis, c'est atelier modelage avec une vraie céramiste. Mais ça, c'est la tête et le cou. Et tu vas vraiment venir, pas les écraser et pas les étaler complètement, mais venir prendre une petite partie de la surface de la terre pour la lier sur l'autre. Là, on peut faire des choses avec la dame, on peut y faire des gestes. Et bah, du coup, c'est bien puisqu'il faut être créatif. Le musée propose aussi des randonnées urbaines pour mieux découvrir ses œuvres architecturales. Là, on découvre maintenant une façade entière, complète, décorée non plus en grès comme tout à l'heure, mais en carreaux de faïence. Ce qui est beaucoup plus rare puisque la faïence, elle, craint le gel et donc c'était beaucoup plus délicat. Dèvres, musée à ciel ouvert qui ne demande qu'à préserver et valoriser son patrimoine local. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'été. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur le site internet France 3 Hauts-de-France et aussi sur les réseaux sociaux. Demain, nous continuons notre exploration de la vallée de l'Ailette. On ira justement au bord de l'eau, voir sa base nautique, sa plage et même sa voie verte. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3 et je vous dis à demain, tout de suite l'actualité nationale et internationale.